Encore l'autre fois, tous nos amis captant de nous un peu partout, chaque dimanche, pour qu'on ait notre la caillou pour nous faire vivre le message de la parole de Dieu. Et nous saluons tous nos amis, nous, captant de nous un peu partout. Nous saluons dans un moment ça. Oui, encore, nous disons, nous saluons tous nos amis, nous, captant de nous un peu partout. Et qui suivent nous, ou même qui déjà branché, m'a encouragé, ou capable. Et encourager l'autre ami pour suivre nous dans un moment ça. Et Pablis, c'est l'église évangélique pour fil des rachetés qui entre la caillou. Et bon Dieu, grand manifeste à l'avenir, dans un moment ça, il fait que l'église a fonctionné en ligne, ou bien online, sur l'avenir. Oui, et nous croyons que si moi et ma voix, nous avons fait un travail, nous avons fait un travail vraiment. C'est un moment pour nous faire une campagne d'évangélisation à nous dire pour le monde un peu partout à travers le monde qui est capable d'accepter Jésus comme sauveur et le monde tout est capable de bénéficier réveil ça capable un réveil spirituel à travers travail ça à travers l'église évangélique pour fil des rachetés côté monde un peu partout dans le monde là capable de suivre nous et capable d'accepter Jésus comme sauveur. Par conséquent, moi, Marvel, il est bon pour nous faire une campagne d'évangélisation, une campagne pour nous, en nous dit, sensibiliser le monde un peu partout, pour nous intégrer dans le ministère, ça, ministère de l'Église évangélique pour fil des rachetés. Avant de nous faire lecture pour nous-mêmes, nous t'avons dit, ou même encore, ou même en mémoire, pour qu'on ait un livre, nous. Une mentalité a changé, m'a pas encouragé pour prendre sur Amazon. Et sur Amazon, ou quand je venais sur Amazon, par conséquent, à partir de jeudi à même, de moment à suivre nous, m'a pas encouragé pour acheter, devenir une mentalité a changé sur Amazon. Et je suis certain, on va bénéficier en pile d'acheter des livres ça sur Amazon. Et tout de suite, m'a appelé pour même et m'a pas encouragé encore pour encourager un monde pour tendre nous, pour une dire l'autre. Encourager yon moun pa tande nou pou kontou, mais encourager yon lot moun pa ou pou tande nou tou nan mouman. Nou pral li pou mèm nan Révélation, chapitre 2, et nap li a pati du verset 12, rive nan verset 17, et nap li an kriol pou. Ekri zanj l'Eglise ki nan la vil Pergam. Dil kon sa. Mais ça, monde qui gagne une épée filée de bois, vous voyez, dit où? Moi, connais, côté Orétéa, c'est là Satan Chita. Ou pas la game. Ou pas perdre confiance ou gagne en moins. Même là, il te fait touiller Antipas qui mourit peut-être moins, dans mitan nous, dans la ville côté Satan Orétéa. Mais reproche, moi, gagne. Pour me faire. Ou bien quelques monde la caillou cap suivre conseil Balaam, te bail les te montrer Balak, ça pour le faire, ça pour te faire, pour faire petit Israël tomber dans le péché. Pour te faire manger viande bête que tu offres pour touiller les idoles. Pour te faire laguer quoi dans l'immoralité. Comme ça tout, ou bien quelques monde. La caillou cap suivre conseil Nicolaïtio. Tournez vin joindre bon Dieu non. Si vous pas fait ça, t'allez comme ça, m'a vini, m'a goumé, ak bon sa yo ak nepi cap sorti nan bouche moi. C'est pour moun ki gen oreille pour yo tande ça l'esprit bon Dieu a dit l'église. L'église yo. Tout moun ki va goumé, jouk yo gen batay la, mabayo la manne ki kache, mabayo chak yon ti roche blan ak yon lot nan ekri sou li. Yon nan person pa konen esepte moun ki se voil la. Seigneur Dieu, papa nou ki nan siel la, nan mouman sa nou ekline nou bien ba, Seigneur, pou nou pataje parol ou Seigneur Dieu avek pepou. Tant pis, Seigneur Dieu, m'a demandé où. Dans le moment ça, on va avec nous, on va assister nous. Permettre, Seigneur Dieu, d'amour,
que mon capteur de nous a édifié, étant plus bas que nous seuls, Seigneur Dieu. Avec nous, servir avec nous, Seigneur Dieu. Retirez nous-mêmes, Seigneur Dieu. Tout le mois, retirez-nous, Seigneur. Permettre qu'il paie pour capable, jeune qui cherche pour nous mieux. Nous comptons sur nous-mêmes et nous sommes certains qu'on va faire ça pour nous, dans notre petit de Jésus. Amen. Pas oublier les amis mieux, nous gagnons. Notamment Abdoussa, moi choisi dans jour ça yo pour nous plus prêcher sur livre Apocalypse ou bien Révélation. Ça veut dire on va plus tendre nous prêcher sur Apocalypse dans jour ça yo. Même le nous gen droit par exemple quelques dimanches tout dépend des gens bon Dieu bonne bénédiction. Donc à choisir nous va prêcher dans l'autre partie dans la Bible là. Mais et ne pas prendre deux trois dimanches pour attendre nous prêcher sur le livre Apocalypse. Ou même qu'attendez, ou bien c'est pour la première fois que vous entendez des messages, non? Nous faisons un rappel, une révision du livre Apocalypse. Le livre Apocalypse, comme nous disons, c'est un livre qui est écrit par l'apôtre Jean. C'est le dernier apôtre qui était arrêté. Tout à l'autre apôtre qui était en fin de mourir. Mais l'apôtre Jean lui-même, sous époque empereur Domitien, Domitien te voyait, monsieur, en exil dans l'île de Patmos. Malgré que monde qui considérait c'est Néron, c'est sous Néron, en livre ça a été écrit. Mais non, ce n'est pas sous Néron, c'est plutôt Domitien dans l'année 95. C'est dans l'époque ça, le livre ça a été écrit. Et le livre ça, amis moi, qui ça le parlait des choses passées, présentes, et des choses à venir. Elle nous dit des choses passées. C'était la vision de Jean, vision que Jean te joigne, que bon Dieu te bali dans l'île de Patmos là, et bien considéré comme des choses passées. Des choses présentes, qui c'est l'Église, cette Église d'Asie. Et parce que chaque Église, ça y est, nous disons ça déjà, représentait une époque. Chaque Église, ça y est, représentait une époque. Et des choses à venir, d'après l'Église, eh bien, c'est un autre événement. Et ça fait le livre Apocalypse, ça, vous considérez comme un livre eschatologique. Là, on dit eschatologique, là, c'est un terme théologie qui veut dire parler bagaille qui est pour venir, qui concernait bagaille étude des choses à venir. C'est ça, eschatologie. Eh bien, ouais, le livre, ça, parle-nous bagaille qui est pour venir. Nous, le livre, ça a parlé de bagaille qui est pour venir. OK? C'est ça, le livre Apocalypse, là, parlé de bagaille qui est pour venir. Par conséquent, amis, moi, l'important pour nous comprendre l'importance du livre Apocalypse. C'est un livre qui gagne une importance capitale. C'est un livre qui gagne en pile importance, le livre, ça. Livre Apocalypse. Nous avons souhaité nous comprendre exactement l'importance du livre, ça. Ils ont fait nous choisir pour nous parler exactement à nous dire des livres, ça. Surtout dans le temps qu'on a vécu là. OK? Chaque église, nous dit représenter une époque. Je dis, on a étudié l'église de Pergame. On nous dit son sorte d'étude, on a étudié, je dis, l'église de Pergame. OK? Qui ça, Pergame là, on nous dit, c'est une ville, on nous dit Pergama. Ça relève une ville qui est située, dis-nous, à quelques 80 km au nord-est d'Izmir. D'Izmir, pas oublier que c'est l'église, qui c'est Smyrne que nous t'ai parlé pour nous-mêmes, nous t'ai parlé de lui la semaine dernière. Lui trouvait à 80 km de Smyrne, ou bien actuel Izmir, qui c'est en Turquie, c'est la troisième ville en Turquie, Izmir. OK, on nous dit Pergama trouvé à 80 km de zone ça. Eh bien, yo dit nous Pergame et tout à dit yo considéré ne pas parler trop. L'église on prend de histoire Pergame, on nous prend par exemple l'église là qui ça Pergame exactement représenté. Mais au fait nous connaît dans Pergame tout faut nous dire Pergame là
Te gen anondi yo konsidere l kom yon lye de fortune, kote te gen apil richesse, yon grand vil, apil gwo mesye te enterese exactement a Pergam. Ok? Yo fè nou konen anondi, se yon zon ki tre riche, ki tre prestijye, se kon sa yo konsidere Pergam. Men Pergam tou, anondi te gen problem nan Pergam, problem te gen se ke Moun yo pa dap adore bon Dieu vraiment, yo te nan idolatri, yo te nan bon bagay ki pa bon. Se kon sa, Pergam te. Eh bien, Pergam ki tip de l'Eglise? Pergam reprezenté zanmi mwen. Pergam reprezenté l'Eglise, yon l'Eglise an nou di ki vin mélange. Yon l'Eglise de mélange. Pergam reprezenté, mabdou sa, yon l'Eglise de mélange. Et sa, Pergam reprezenté. À nous rester dans la Bible là pour nous-mêmes, pour capable mieux comprendre ce qu'on a dit. N'appelé pour nous-mêmes, à partir de ça, nous sommes lits déjà pour nous-mêmes, verset par verset, nous avons interprété pour nous-mêmes, pour comprendre exactement une idée de l'église de Pergame. Qui l'église, l'église Pergame, qui l'église, l'église Pergame, aujourd'hui et à toujours. Bon? Malgré son l'église qui passait, mais ou même Captain Dale ou a joindre dans ton à vivre là qui gen trace Pergame là, il est toujours là toujours. L'église des mélanges là, il est toujours là toujours. Parce que l'église donc on a vu dans l'époque l'église mélangée. Même les mélanges ça a commencé et nous capable dire c'est dans fin deuxième siècle, troisième siècle. C'est dans l'époque Constantin pour l'entrée dans l'église elle va faire un pile de gars. Si laisse à l'église là pour le mélanger. On nous dit, yo dit nous, bon Dieu, comment l'adresser, comment Jésus a adressé à l'église, comme on toujours est. Comment l'adresser à l'église. L'adresser à l'église, toujours l'adresser comme d'abord à l'ange de l'église là. Il n'y a pas qui est important, l'adresser à l'ange de l'église. L'ange de l'église, on toujours tous ces pasteurs. Il est important pour nous toujours tout ça. Bon Dieu, moun ni connaît, moun ni a nous dit, l'église pour le rendement de compte, c'est moun ni placé dans tête l'église là, l'un de l'église. Nous toujours dit ça, nous toujours répétons ça. Parce qu'il y a un de l'église, un pasteur, il y a un travail qui est noble, il y a une tâche spéciale devant bon Dieu. Pas devant les hommes seulement, mais devant bon Dieu. Et ça fait. Dans cette église-là, ou après chaque livre, chaque église, bon Dieu adressé exactement à l'un de l'église, c'est-à-dire à pasteur l'église. Très important. OK? L'adresseur, il dit qu'il laisse lier. Il dit, mais ça, moun qui gagne peut filer de bois, vous voyez dire où? Moi, connais qu'autorité, c'est là Satan Chita. OK? Bon Dieu fait reconnaître l'église de Pergame, côté Oyea, dans la ville Pergame, c'est la Satan Chita. Il fait reconnaître exactement dans qui état Pergamier, il fait reconnaître qui s'est traversé dans Pergame. Bon Dieu dit ça. OK? Bon Dieu dit exactement, yo dans mitan Satan. OK? Mais il félicite yo, il dit yo, ou pas la game, ou pas perdre confiance ou. Ou gagner en moins. Même d'ailleurs, tu fait tout hier, Antipas qui mourit, peut-être moins là, dans mitan, dans la ville côté Satan était. OK? Bon Dieu félicite yo. OK? Mettre l'église à Jésus félicité. On nous dit, yon groupe dans Pergame. Raison bon Dieu félicite yo, c'est parce que même les à vivre dans zone. Satan réclamé pour lui-même, même les a vivent dans le temps Satan, mais eux-mêmes, il y a un petit groupe qui était ferme, il y a un petit groupe qui a servi bon Dieu. Même les yo persécuté, la Bible mentionne Antipas, ce n'est pas seulement Antipas seulement qui est martyr, il y a un pile d'autres martyrs, mais Antipas, c'était tout, Antipas, c'est un exemple. La Bible montre nous, il y a un martyr dans le moment ça. Mais malgré tout, il n'y a pas arrêté pour ne pas servir bon Dieu. Malgré tes persécutions, tu es toujours à servir bon Dieu. OK?
Jésus a qu'à féliciter pour ça. Il dit, même les gains problèmes, ils ont été observés, mon Dieu. Okay? Par exemple, on nous dit, non, comme nous disons ça déjà, l'église Pergame, c'est une église vraiment de mélange. Il y a pile problème dans l'église de Pergame, il y a dans la ville de Pergame qui sont une ville, comme nous dit, où Satan est clamé, c'est une ville. On nous dit qu'il y a pile agent diable, on prend, il y a pile sacrifice, en pile qu'a fait, qui n'est pas de bon dans la ville de Pergame. Mais malgré tout, tu es un groupe de monde vraiment qui choisit pour te servir, bon Dieu, pour te rester ferme dans bon Dieu, pour ne pas te détourner ni à gauche ni à droite, pour te rester dans bon Dieu. Okay? Mais, quand on reproche Jésus te fait, mettre l'église à faire. Verset 14, là, il dit, mais reproche, moi, pour me faire. Ou bien, quelques monde la caillou, cap suivre conseil Balaam, te bail, là, il montrer Balak ça pour faire petit Israël tomber dans le péché. Pour le faire manger viande, bête, qui était offrie pour tuer les idoles. Pour le faire laguer koyo dans l'immoralité. Okay? Comme ça, tout, ou bien quelqu'un monde la caillou, qui a suivi le conseil Nicolas Idiot. Okay? Tu as fait reproche que, bon Dieu, ou bien mettre l'église à Jésus, fait exactement à Moun à Pergamio, à l'église Pergam. On sait des moun dans Pergam, on sait des moun dans l'église là, et bien, qu'à suivre trace, on nous dit à Nicolaïdio, on nous dit doctrine Nicolaïdio, qui suivent, on nous dit conseil à Balaam. Au compte qui conseille Balaam, te bay Balak, soit prendre en ordre, chapitre, à partir du chapitre 24. 23, 24, 25. Balak, t'es besoin, roi de Moab, t'es besoin, maudit Israël. Eh bien, pour le maudit Israël, il t'a demandé à prophète Balaam pour le faire. Mais au lieu, mon Dieu béni, béni net, au lieu de bénir le peuple là, on est le maudit peuple là, le bénir. OK? Mais le débat, peuple, il t'a Balaam, Balak, le conseil. Conseil là, on nous dit, il fait qu'on est que Peuple, bon Dieu bénit, bénit l'aide, bon Dieu pas qu'à maudit, peuple ça. Mais le défait qu'on est, peuple ça, c'est là, c'est là, désobéit, bon Dieu, l'aide font ces bagailles que bon Dieu pas d'accord, c'est là, bon Dieu qui a levé contre lui, bon Dieu qui a fâché contre lui. Eh bien, ça, le défait vraiment, eh bien, on nous dit, il y a des fêtes qu'on est là. On nous dit, monde, moi, habitué, on fait fête qu'on est là. Eh bien, on fait mon Israël, yo, mesdames Israël, yo, viennent tomber dans danser, viennent tomber dans fête la caillou, on prend, monsieur Damio, eh bien, on fait fête, qu'on est là après jouer ensemble, eh bien, on réjouit, jouer ensemble, qu'on est là, on vient adorer Dieu qui par à nous dit Dieu, moi habitue. Yo, viennent adorer, qu'on est là, pour en Baal. Yo, viennent adorer Dieu, ça. Pendant qu'on adorer, on nous dit bon, Dieu, ça. Qu'on a la bon Dieu levé contre yo. Bon Dieu fâché contre yo parce que il y a pas adoré un Dieu étranger, il y a pas adoré un faux Dieu. Un Dieu qui pas Dieu créateur. Eh bien, ça te fait bon Dieu fâché contre yo. OK? Et en pile là-dedans, yo t'es mouru pour t'être bagaille ça à cause de désobéissance. Eh bien, c'est même bagaille là tout dans l'église de Pergame, il y a un groupe de monde qui devine mélanger. Il y a un groupe de monde dans l'église de Pergame qui est venu changer. Comment est venu changer? Par exemple, dans l'église là, l'église premier siècle là, l'église côté chrétien, l'église nous expliquer, nous te parlons de l'église d'Éphèse, l'église d'Esmine, côté où tu étais dans bon Dieu, tu as servi bon Dieu, même si tu as un problème, tu es dans un moment de tes persécutions. Mais tu es venu, il y a bagaille grave qui est venu arriver dans l'église là. Tu es venu grave qui est venu dans l'église là. Qui ça qui est venu dans l'église là? L'église là, mon Dieu, t'es venu à suivre yon bande faux Dieu. Yon t'es venu tomber dans le mélange. Yon venu tomber à suivre exactement conseil Balaam. Ou bien doctrine Balaam. Qui ça lié? Eh bien, l'église a venu, par exemple, l'église a nous dit, Constant est venu converti. Constatez qu'on a là, vient transformer l'église là, l'église Christ là, il vient faire mounio faire une bonne bagaille qui n'est pas bon.
Il vient faire mon Dieu, au lieu de suivre mon Dieu qu'on est là, l'église a venu, l'église polluée, l'église a venu, l'église qui a un bon bagage qui n'est pas beau qui est entré là-dedans. Ok? Je parle de nous, par exemple, il n'y a pas eu quelques bagages qui étaient entrés dans l'église là, qui n'est pas bon du tout, qui étaient en pile problème, qui étaient créés en pile problème. Qui saleté? Et m'appeler ça pour moi-même, m'appeler partie en français pour moi-même, dans un document, peut-être tout cas gagner, ou gagner tout même. Leur dit, mais combien sont grands dans la chrétienté les dégâts causés par le mélange? Lorsque Constantin proclama l'édit de Milan en l'an 313, il le fit dans un but politique, rallier le suffrage de ses sujets chrétiens toujours plus nombreux. Mais au désaveu des livres d'histoire, jamais l'Empire romain ne s'est christianisé. OK? Pas oublier, l'Empire romain te propose de christianiser, lui. Te propose, on nous dit, de convertir. OK? Par conséquent, c'est dévier, on t'a dévier mon évangélique, là. Eh bien, on te vient arriver vraiment au dévier le monde évangélique. Yo dévier, on nous dit, de christianisme. Comment on dévier de Christ? Malgré l'Église, là, toujours été l'Église. Moun ki nan bon Dieu a toujours été nan bon Dieu. Toujours qu'on faible reste. Mais l'Église, là, te vient polluer. L'Église a pollué avec Constantin. OK? Je propose de convertir, qu'on est allé à l'Église, qu'on a bien marché, qu'on a marché dans le bon Dieu, qu'on a servi mon Dieu, qui t'a été dans le bon Dieu. Il y a une Église vraiment, hein, quand tu as une puissance, tu connaissais l'Esprit, tu es en merveilleux. Bon Dieu, la présence de Dieu t'est manifestée dans le temps. Eh bien, l'Église, ça, tu es venu à l'Église polluée. L'Église a été gâtée. Comment l'Église a été gâtée? Parce que les Constantins sont venus convertis, qu'on est là, Mounio vient trouver, on nous dit, yo libre, yo pas de persécution encore, qu'on est là, yo, non, bonne notre vie, yo là, yo, dans notre activité, on bonne, et Constantin, te ba yo, en pile avantage, en pile privilège, qu'on est revenu à construire temple, pas oublier l'église, avant, c'était la catacombe qu'on adorait, ça nous relait les galeries souterraines. Mais l'église, ça, qu'on est là, venu à l'église, on nous dit de libertinage. Nous venons libre, qu'on est là. Qu'on a l'église, là, vienne entrer dans ça, voilà, d'où est entrer. Eh bien, dans toute vieille vie. Eh bien, qu'on est là, l'église, ça, qu'on est là, venu à l'église, bon Dieu, bien problème avec. Parce que chrétien, ne viennent pas dans bon Dieu. Ils ne pas servir bon Dieu. Et viennent qui ont une bonne tradition. Ils ont une bonne bagaille qui va entrer dans l'église, ça. Il y a un bon bagaille. Et par exemple, pour jouer, il y a dit nous des prières pour les morts. Il commençait dans le début 4e siècle. OK? Début 4e siècle. Prière pour les morts. Ça veut entrer dans l'église, ouais, ça veut entrer dans l'église évangélique là. Dans l'église là, qu'on a vu prière pour mon mourir, vient entrer dans l'église. C'est au 4e siècle. Ça veut entrer. Ou vient guérir le signe de la croix, encore au 4e siècle. Ça veut entrer dans l'église là. L'adoration des anges et des saints. L'adoration des anges. Dans l'année 375, qu'on est là, ils ont ordonné pour les gens qui adorer saints, qui adorer les anges, qui adorer saints. Et dans l'église, première église là, l'église primitive là, l'église apostolique là, pas de guerre à faire pour les gens qui adorer saints. Pas de guerre à faire ça. Mais adoration saint vient entrer dans l'église, c'est dans l'année 375, après conversion Constantin. OK? Nous venons à l'église, nous venons à le mélange là, qui ça une fête. Nous venons à l'église qu'on est là, paganisée. Nous venons à l'église, gabdi romanisée, sous la vle, empire romain qu'on est là, vient craser l'église à cause de conversion Constantin, qui propose de convertir, mais conversion là, c'est pour te régler, propre affaire. Pas oublier, ou même pas connaître comment Constantin converti. Constantin était converti, c'est pendant le prendre en bataille. Il prend en bataille et puis il te rend signe par devant qui dit, par ceci tu vaincras avec six sabres de bataille là. Et bien Constantin est vraiment là en bataille. Là, Constantin est en bataille là et puis il gagne bataille là. Et monsieur le dit, il fait la bataille là, l'a converti. Et là, monsieur retourne vraiment, monsieur converti. Là, monsieur retourne vraiment, monsieur gagne bataille là et puis monsieur converti. Convertit-il de convertir, hein, vraiment? Ce n'est pas une vraie conversion, mais c'est une conversion qui finit mal pour l'Église. Parce que l'Église, là, c'est une bonne bagaille qui est entrée dans l'Église. Nous venons dans l'Église, je dis non, l'Église paganisée.
Yon bon bagay vin antre nan l'eglise la. Dake ou di nou, nou gen priyer pou mor vin antre nan l'eglise la. Se nan debu 4e siyek. Nou gen par exemple sin de la kwa nan menm epok sa vin antre nan l'eglise. Ou vin gen par exemple l'adorasyon des anj et des sen vin antre nan l'eglise nan ane 375. Ou gen par exemple celebration de la mes. Mes ou e katholik a fè. Celebration de la mes li komanse nan ane 394. Ou bien l'invêtement ecclésiastique et le célibat des prêtres. OK, il commencé autour de l'an 500. C'est dans l'époque ça yo par exemple, ou bien par exemple, gien rad en nous dit on avait considéré des rad ecclésiastiques. En Zacharie je dis à grand pile serviteur de Dieu, puis on senti yo gros pasteur, puis on senti yo c'est gros évêque, gros bishop, faut gien on ces rad ecclésiastiques sous yo. Eh bien, il pas important l'église primitive l'église apostolique là, pas t'en faire des rades. Même les anciens temps, prêtio, nous dit l'ancienne alliance là, prêtio te kon gen aussi des rades sous yo. Sacrificateur te kon gen des rades sous yo. OK? Mais par exemple, dans l'église primitive là, première église là, chrétien yo, pas t'en faire des rades. En nous dit ça, son signe diabolique lié et tout. Chrétien, vrai chrétien, serviteur de Dieu, même là, peut-être en pile, serviteur fait, disons, pas qu'on importance ni. En pile, serviteur fait, le papa se va serviteur, mon Dieu. Mais il ignore ça, il ne va pas connaître tout. Même Abdiou, ça, c'est le paganisme. Chrétien, pendant affaire rade, en pile chrétien, en pile serviteur de Dieu, des pasteurs, pour sentir un gros pasteur, dans quelques cérémonies, pour prendre de gros rades, pour mettre sur eux-mêmes, pour sentir ce bishop, pour sentir qu'il y a évêque. Et bien, m'a dit, ça, c'est une trace diabolique liée, qui est entrée dans l'église primitive là, qui était entrée dans l'église là, mais à partir de conversion constantin, tout le monde est entré dans l'église, mais il n'y a pas dans l'église avant. L'église primitive là, on nous dit première l'église là, ou pas jeune chrétien yo, te qu'on habillé dans sans sens ça. Et ça a vienne créer un orgueil, la caille en pile leader évangélique. OK? Pour qu'a distinguer yo des autres leaders, faut qu'on marque des distinctions. Non, ça n'est pas possible du tout. L'église évangélique, la vraie église là, pas dans bagaille ça yo. L'église Christ là, pas dans affaire de rade, pas dans affaire d'habillement. L'église Christ là, pas dans affaire de bagaille comme ça. OK, l'église primitive, première église là nous dit ça encore, c'était une église qui était simple. Chrétien yo pas tant à faire leader qui a prêché aux les apôtres, pas tant à faire rade pour distinguer yo. Non, pas dans ça. Ou même qui voulait serviteur bon Dieu, qui servir bon Dieu, eh bien il y a une série de traces jodia, même traces mélange ça qui était entré dans l'église Pergame là, qui commençait dans depuis dans l'église Pergame, jodia toujours là toujours. On prend, moi même avait en tant que serviteur de Dieu, servante de Dieu, nous c'est pour nous abandonner, c'est pour nous quitter vieux bagages ça yo. Nous pas qu'abriter notre trace ça yo parce que yo pas bon pour nous-mêmes. OK? Et bien bon bonne bagage qui vient entrer dans l'église là, yo dit nous le scam onction entrer dans l'année 526, entrer dans l'église là. Ouais mélange ou bien le purgatoire qui entrer dans l'année 693 qui vient entrer dans l'église là. Par conséquent, l'église là, nous venons à son église qui vient en nous dit transformer. Première église a vient transformer. Première église évangélique là. Évangélique là. Il vient transformer tellement de bagaille qui est entré en dans l'église sans en mémoire. Les affaires, on nous dit, ils ont considéré l'église de Pergame comme une église de mélange. Il y a une église qui a commencé dans la fin, dans le début du 3e siècle, sous Davlé, et qui finit dans l'époque Moyen-Âge. Époque ça nous prend son église, nous dit dans fin ou bien dans début 3e siècle et bien qui finit en qui va finir dans époque Moyen Âge en 15e-16e siècle. C'est l'église ça, une église de mélange. Côté où on nous dit en la pure romaine ou la papauté, on nous dit l'église catholique romaine c'est eux-mêmes qui dominaient en quelque sorte. Ils ont entré en pire au maire, nous pas prêcher religieux, mais religieux n'a prêché, n'a prêché en réalité. Il y a un pire monde qui toujours dit, première l'église, c'était un monde qui ne connaît, c'était l'église catholique. Pas vrai du tout. C'est parce qu'on ne connaît. L'église, première église, c'était l'église apostolique. L'église des apôtres. L'église des premiers chrétiens. Des premiers chrétiens, c'était l'église ça. Mais pas l'église, ça a monde qui est après catholique. Non, pas vrai du tout. Okay? L'église a pral transformé à l'époque, l'église a été prise naissance dans l'Empire romain. L'église évangélique a été prise naissance dans l'Empire romain.
Ce sont en pire romain, l'église a de prendre naissance. L'église, ça, qu'on a là, dans le premier temps, yo, l'église a été une église persécutée. Chrétien, qu'on a adoré dans la catacombe. C'est un cachet chrétien, en pile là-dedans, dans la bataille. Exactement, pour un homme, c'est Néron. Néron qui s'est allé, on te fait lui-même, c'est de prendre chrétien, yo. On prend à mettre 10 feux sur eux-mêmes, bouler, persécuter, battre. Vous avez une histoire de Néron, quand il a mis 10 feux dans la ville de Rome. Et puis le chita dans très ville là, pour la contempler ville là qui a pris du feu, dans l'intention pour la bâtir une plus belle ville, mais dans l'intention tout le fait ça, pour le accuser chrétien et tout, malgré qu'il a tête pour la bâtir une autre ville, les boules ville là, mais au fond, c'est pour le catouiller chrétien, pour faire connaître les chrétiens qui mettent du feu dans la ville de Rome. Et bien là, ça a fait une fête vraiment, qu'on a allé faire marcher pour les chrétiens, tout les chrétiens, bâtir, persécuter, prendre goudron, yon l'huile, mettez sous tête yo et puis pour mettre dans jardin pour qu'a clair jardin pour moun sa yo qu'a servi comme flambeau pour clair jardin. Mais comment Néron te contrater l'église? Isaac fait dans l'époque livre ça écrit ya gen pile moun qui pensait c'était dans l'époque Néron. Mais non, Domitien tout yo fait nous connaître d'après histoire de l'église, d'après histoire universelle, Domitien c'était yon deuxième Néron. C'est un empereur qui était très sévère, qui était très dur, qui était très méchant, Domitien. OK? Par conséquent, chers amis, l'église là, nous venons nous montrer que l'église, c'est donc première église là, c'est donc l'église persécutée. Mais l'église a perdu force, lui. C'est à partir du moment où Constantin vient converti, et bien Constantin, Satan entrait dans l'église pour avoir l'église problème. Et bien, pile chrétien tout, dans l'église Pergame, pour qu'à jouer nos des privilèges, pour qu'à sentir à l'aise, pour qu'à pas persécuter, eh bien, ils étaient entrés dans le mélange. Ils étaient entrés dans l'adoration, ça y est. Ils étaient entrés dans, à nous dire, dans la philosophie, ça. Eh bien, ça fait, bon Dieu, t'es contre eux. Bon Dieu, t'es couru derrière eux. Dieu, pour qu'à suivre, trace Nicolaïtio, doctrine Nicolaïtio. La doctrine Satan n'est pas bon. Chrétiens, pas prêcher aux religions, mais il y a un monde qui veut se sauver, il y a un monde qui veut aller dans le ciel, il y a un monde qui veut être un bon Dieu tout bon, il y a des pratiques que vous n'avez pas à gagner, vous n'avez pas à adorer saint, vous n'avez pas à prier pour des morts, c'est ça la Bible dit. Ok? On nous dit que même les rats, on nous dit les habits ecclésiastiques, on ne dit pas ça, mais on en a fait. Mais vrai chrétien, pas capable de nous relever habits ecclésiastiques. Ok? Nous ne pas qu'un rat ecclésiastique. Nous ne pas qu'un rat saillot. Nous ne pas qu'un rat ecclésiastique. Il semble que nous n'avons pas de contact passé. Nous n'avons pas de son. Nous avons un ami qui fait nous connaître. Nous n'avons pas de son. Nous n'avons pas de contact passé. Nous n'avons pas de contact passé. Nous sommes normal là. Et nos gros amis sur Facebook qui nous suivent nous. Fait nous connaît que nous pas gain son nous pas connaît ça qui passé mais nous censé gain ta gain son là mais il semble que pas gain son va comme ça qui passé. On va excuser nous, ça va dépendre de nous-mêmes parce que n'a regardé là n'a suivre nous tout bagage passé normal on prend nous mais gain aux amis qui fait nous connaît que nous pas gain son ça a bien fait normal du fait que son pas sorti si gain son. Si vous n'avez pas de son, vous allez excuser nous. Parce que, bon côté par nous, nous voyons tout le bagage normal. Vous allez excuser nous encore si pas de son. Oui, nous disons l'église là, amis, moi, c'est une église. L'église Pergame, c'est une église de mélange. Une église qui mélangeait et ça a créé un pile problème. Un pile problème. Chrétien, pas doué dans mélange. OK, on nous dit, pourquoi devant bon Dieu, m'a tout ça encore, les évêques, les bishops, pour gros devant mon Dieu, ce n'est pas un rat d'ecclésiastique qui font gros devant mon Dieu. Il y a un monde qui gros devant mon Dieu, c'est Jean Croyer. C'est Jean Yé dans mon Dieu. C'est Jean Observé mon Dieu. C'est ça qui font grand devant mon Dieu. Mais ce n'est pas un rat d'ecclésiastique qui font gros devant mon Dieu. Par conséquent, on nous dit qu'il y a trop d'orgueil qui entre dans la vie de l'homme. L'homme a trop d'orgueil, on nous retire l'orgueil, ça y est. On nous est capable simple parce que bon Dieu voulait pour nous humbles, pour nous avoir envie d'humilité. Chrétien qui est un blanc, ce n'est pas un rat qui parle faire connaître qu'elle est bishop, qu'elle est pasteur, qu'elle est archevêque. Non, ce n'est pas ça qui est important. Okay?
Et puis, yo, dit nous tout, c'est dans la même époque ça a tout, nous venons bien, ça nous relève, on nous dit célibat des prêtres. C'est dans la même époque ça a tout, ça vient d'entrer. Dans l'époque mélange ça, l'église a venu mélanger. Il y a un message, puis nous ne pouvons pas prêcher yo, pour persécution, nous comprenons ça. Mais on nous dit, la vie ne dépend pas de nous-mêmes. Si nous pouvons prêcher, mais ça est parole, bon Dieu. Si nous pouvons faire la vérité, pour que nous ne parlions pas avec nous, pour que nous ne parlions pas nous. Ce n'est pas ça qui a fait mon remède, nous. OK? Par conséquent, nous devons avoir un message là, j'en ai hier. Nous avons dit encore, aux amis, il y a une pratique, c'est pratique diabolique, il n'y a pas bon, nous ne devons pas arrêter dans la pratique, ça y est. Il n'y a pas bon du tout. Nous avons continué à lire pour nous-mêmes. Nous avons continué à lire pour nous-mêmes pour qui? Après, bon Dieu finit d'identifier le problème, non? Les fins de Dieu, qui est à y est. OK? Ça, bon Dieu, pas le Dieu qu'on a. Mais ça, Jésus, pas le Dieu. Tournez. Viens joindre bon Dieu. Bon Dieu, non. Si vous ne pouvez pas faire ça, t'allez quand ça m'a venu, m'a gommé avec bon sa yo, avec l'épée qui a sorti dans la bouche. Mwen. OK? Vous allez dire, bon Dieu, mettre l'église à Jésus, encouragez yo. Monde qui n'a pratique ça yo. Pour yon tourne vin jouen ni. Isaac fait ou même qui n'a pratique ça yo. Qui n'a servi zidor. Ou même qui n'a se de pratique. Qui ou pas jouen dans la Bible là. Qui te yon tourne vin jouen mon Dieu. C'est pas moi qui dis. L'in en révélation ou bien Apocalypse chapitre 2. Verset 12, venant verset 17. Ou va comprendre qui est de pratique. Que bon Dieu pas d'accord yon zami moins. Et au même qui n'a pratique ça yo, tout n'est venu jeune bon Dieu. Tout n'est venu jeune bon Dieu. Si pas tout n'est venu jeune bon Dieu, eh bien, la Bible même dit, Jésus dit ça. Il dit, eh bien, il va tourner, il va venir qu'on est là. Regardez bien, oui. C'est pour monde qui a les oreilles. Tout n'est venu jeune bon Dieu, non. Si vous ne faites pas ça, tu as l'air comme ça, m'a venu. Ma promé ak moun sa yo ak nepe k ap sorti nan bouche mwen a. La vini très bientôt et on paye conséquences lan très cher. Dak les amis m'a encouragé. N'encouragé aux amis mwen pou faire tout effort pour servir bon Dieu. Faire tout effort pour servir bon Dieu parce que sou pas servir bon Dieu, bagay yo capable vraiment terrible pour même. Servir bon Dieu, si sport nous série on sait d'adoration. Si ce n'est pas, on sait des pratiques qui pas bon, qui pas dans la Bible là, pas faire aux amis. Et pas faire. On souhaite que, on comprenne ça. On souhaite que faire tout effort pour servir bon Dieu. Parce que pas servir bon Dieu, ça est capable de terrible pour même. Pour terminer, il dit, c'est pour tout le monde qui a les oreilles, pourtant, aux oreilles, pour y attendre. Ça, l'esprit bon Dieu a dit à l'église. Tout le monde qui va goumer, jou ki yo gen bataille la, ma bayo la man ki kache ya. Ma bayo chak yon ti roche blanc ak yon lot nom ekri sou li. Yon nom person pa konnen excepté moun ki resevwa la. Par conséquent, zanmim nan, gen privilège pou moun ki aksepte servi mon Dieu. Gen privilège ou même ki tap mene yon vi, ki pa yon vi ke bon Dieu pou plezi la dan retourne vin jwenn bon Dieu. Ah, il y a un pile privilège, amis. Non, va écrire dans le livre de vie. Ou va, on nous dit, là, Jésus va retourner, il va côté pour nous recevoir. Il y a un pile bénédiction, amis. D'accord, ou même qui ont des pratiques qui attendent nous dans le moment ça, pas fanatique, personne, pas fanatique religion, parce que religion va sauver, mais fanatique Jésus. Si ou non lieu d'adoration, ou non religion, que c'est fanatique, li, ou on n'est pas bon, amis, moins. Et le pape, non, on a salué, c'est retiré quoi là-dedans. C'est retiré quoi là-dedans. Ça qui est important, m'a dit, on n'a pas servi religion, on a servi Jésus. Je dis à Gampil, nous avons couru des religions. Religion, m'a dit, c'est aveugle avec vous. Religion avec l'air. Religion, la gonne dans tout. Ok? Mais il y a un monde qui va la gonne dans tout. Non, qui va la gonne dans toi, c'est Jésus le relais, les amis, moi. M'a pas encouragé aux amis, moi, à nous faire effort pour nous servir, mon Dieu. À nous faire effort pour nous être dans bon Dieu. À nous faire effort pour nous attacher à bon Dieu. À nous faire effort pour nous aimer bon Dieu. Tout esprit qui va bon nous retirer. Tout esprit qui l'a pour nous décourager, moi, ma vie, pour nous servir bon Dieu. À nous retirer. À nous aller loin, esprit, ça y est. À nous être dans bon Dieu, amis, moi.
Nous souhaitons matin, dans l'heure soir, pour nous. Nous avons fait tout effort pour servir mon Dieu. Nous avons fait tout effort pour rester dans bon Dieu. Pour servir mon Dieu tout bon. Parce qu'il y a un privilège pour le monde qui est dans bon Dieu. Nous avons souhaité ou même qui peut faire un bien avec Christ. Fais un bien avec elle. Fais un bien avec Christ. Il y a une bénédiction dans ça. Et très bientôt, dans quelques minutes, pour même qui suivre nous sur Facebook, qui va attendre nous, nous pourrons le voir, nous allons enregistrer le message ça encore. Sous Zoom, nous pas le voir le baou, sur YouTube, sur Facebook, pour avoir quelques chances pour suivre encore. Et on va excuser nous pour le technique ça, on va excuser nous et on a fait tout effort pour la prochaine fois pour ça pas arriver encore. Que bon Dieu bénisse nous, même t'as suivre nous. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu permette de comprendre, mais ça c'est ça. Que bon Dieu fasse réfléchir sur la vie ou même les leaders évangéliques, ou même chrétiens un peu partout. Que bon Dieu fasse comprendre, mais ça c'est ça. Où est-ce qui est porte à vivre, où comment la vie nous est et qui ça peut nous faire pour nous changer mode de vie. Encore.